Après deux exercices déficitaires, la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, SICOGI, pose les fondations d'une activité prometteuse. 18 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires pour 800 millions de bénéfices avant impôt en 2013. La société veut aller plus loin. Projection pour 2014, 40 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires et 1 milliard de bénéfices nets. Et les logements sociaux figurent en bonne place dans cette projection. La SICOGI, en tant que société d'État, est engagée à faire au moins 25% du programme, soit environ 15 000 logements. C'est sur ça que nous sommes en train de travailler. En 2015, quand on va faire le bilan, la SICOGI répondra pour les 15 000 logements pour lesquels le gouvernement, qui est son actionnaire, a demandé qu'il fasse. La SICOGI annonce la livraison de 2 000 logements sociaux à la fin de ce mois. Elle a en portefeuille 10 000 logements, dont la moitié, 5 000, seront commercialisés cette année. La société ambitionne de faire plus. Nous avons déjà en projet la création de deux nouvelles villes, à Bassam et à Benjerville. Ces travaux sont en cours. Nous avons fini la conception urbanistique. Il reste maintenant à faire les conceptions architecturales et engager les différents partenaires pour y aller. Le directeur général de l'entreprise a par ailleurs consigné sa vision du développement dans un livre intitulé « Marché, gouvernance et pauvreté, cas de la Côte d'Ivoire ».